Salut à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je trouve, fait très bien complément à la dernière enquête sur l'avocat Jack Thompson. J'ai déjà très content de vos retours, merci du fond du cœur. Et puis, la deuxième partie arrivera bien sûr entre-temps. Nous allons ici voir maintenant des cas de gamers qui sont devenus complètement fous et extrêmes face à des événements liés à leurs jeux vidéo. Alors je précise tout de suite, ce n'est pas le JV qui est en cause, mais bel et bien l'individu. Et vous allez le voir, ce sont des faits, des scandales et parfois des trucs complètement cons et loufoques que j'avais envie de vous mettre en avant. On en voit 5 à travers cette vidéo, et si jamais vous avez kiffé, bien sûr n'hésitez pas à laisser le petit pouce, ça ferait plaisir pour le taf ainsi que vous abonner à la chaîne. Voilà, j'ai eu pas mal de soucis dernièrement avec les notifs et tout, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez bien reçu, parce que c'est quand même notre taf, et donc quand c'est comme ça, c'est chiant. Mais nous ne perdons pas espoir, espérons que YouTube se règle un petit peu. Allez, let's go. Commençons avec le MMO certainement le plus populaire de toute l'histoire, World of Warcraft. La négligence peut parfois être importante lorsque nous jouons aux jeux vidéo, dans le sens où nous sommes immergés dans un monde virtuel, surtout dans un MMO, et certaines personnes ne vont malheureusement pas réussir à mettre un ordre de priorité. Bon, heureusement c'est la majorité, mais on sait en général hiérarchiser les choses, manger c'est quand même plus important que jouer. Voilà, faut survivre. Mais pour certains, cela devient un dilemme extrême, surtout lorsque l'on devient parent. Et jongler devient difficile. Et ce sera malheureusement le cas d'une mère, dans le Nouveau-Mexique, qui va décider que la chose à laquelle elle devait renoncer était son enfant. En effet, cette femme porte le nom de Rebecca Colleen Christie. Alors, je suis désolé, à travers cette vidéo, on n'aura pas trop d'images. Ce sont souvent des choses qui se sont passées il y a à peu près 10 ans. Puis en général, les photos des concernés ne sortent pas trop dans les médias. Cependant, l'histoire est intéressante. Elle sera condamnée par la Cour fédérale en novembre 2009 pour meurtre au second degré et abandon d'enfant, qui va dépérir, accrochez-vous bien, de malnutrition, déshydratation, pendant que sa maman passait des heures à chatter et jouer à World of Warcraft. C'est le Crush Sun News qui va rapporter ça à l'époque, et ils vont déclarer ainsi que l'enfant, Brandy Wolf, âgé de 3 ans et demi, n'avait pris qu'un kilo et demi au cours de la dernière année. On sait que les enfants grandissent à cet âge-là quand même, prennent du poids, et c'est horrible parce que lors de la dernière année de sa vie, il pesait environ uniquement 10 petits kilos. Notamment lorsque Christy va appeler le 911, le 26 janvier 2006, parce que c'est là que cela se passe, pour signaler que sa fille était inconsciente. C'est une véritable horreur en somme, et l'ex-mari justement, le sergent Derek Wolf, qui est dans l'armée de l'air américaine à ce moment-là, lui il n'était pas là le pauvre, parce qu'il était en mission, et il devait partir 9 jours lorsqu'il retrouvera sa fille morte. Les journaux vont d'ailleurs rapporter qu'il avait exprimé, avant de partir, ses réserves quant à la capacité mentale de sa femme à s'occuper de son enfant. Il y avait déjà eu des problèmes, elle avait déjà été placée la petite chez les parents de Christy, et elle avait souvent tendance à dépasser les bornes. Wolf va d'ailleurs dire à un agent du FBI qu'il rentrait régulièrement du taf et qu'il trouvait sa fille avec un verre d'eau vide, car sa femme était occupée à jouer sur PC, selon les documents du tribunal. Comble de l'horreur, le jour de la mort de sa jeune fille, pendant 15 heures, il va y avoir une activité continue sur l'ordinateur, alors que sa mère était en train de jouer. Elle n'a pas arrêté une seule seconde pour se consacrer à son enfant. Enfant qui, à cet âge-là, ne peut pas se gérer tout seul, évidemment. Et pour preuve de son addiction, il y avait également un chat, et la litière débordée, c'était dégueulasse. Il y avait une odeur envahissante d'urine de chat, et il semblait y avoir si peu de considération, si peu de nourriture, que l'enfant manger la nourriture qui était donnée au chat. Vous imaginez, c'est le bureau du procureur américain qui va nous expliquer ça. Lors de l'audience de la condamnation, à la mi-mai devant le juge du district américain Robert Bragg, Chrissy va pleurer en disant qu'elle était désolée et qu'elle ne pourrait jamais voir grandir sa petite et que cela lui pèse sur le cœur. C'était ma responsabilité de prendre soin d'elle et je l'ai laissée tomber, j'en suis désolé. C'est vraiment terrible ce genre d'histoire au point d'en commettre l'irréparable. Elle prendra ainsi 25 ans de prison pour meurtre, homicide involontaire. Allez, cette fois-ci dans le registre des tentatives de meurtre. Pour ce deuxième fait, il va concerner, c'est assez rare pour le souligner, non pas un Américain, on voit souvent ces choses-là qui se produisent aux États-Unis, mais également en Asie, mais bel et bien un petit Français. Et souvent on fait l'écho de pétage de plomb, on l'a vu moi avec ces 5 jeux moi qui m'ont rendu ouf. Et pas à ce moment-là, vous allez le voir. Et généralement, quand je vous dis que ça se passe au State, c'est parce que, notamment, les armes dans certains états sont faciles à acquérir. Ça fait partie de la constitution même. Donc flinguer quelqu'un pour une connerie, quelque part,
C'est une chose qui peut vraiment être aisée, hein. Je veux dire, voilà. Mais ici, on est sur une histoire de vengeance. En effet, nous sommes face à ce que l'on appelle un déséquilibré mental. Et cela a été avéré par la justice et la médecine. Son nom, Julien, 20 ans au moment des faits. C'est un jeune pâtissier originaire de Cambrai, qui va ainsi perdre une partie de Counter-Strike. Mais attention, pas n'importe laquelle, le mode où vous devez utiliser uniquement des couteaux. Knife only. Ainsi, vous n'avez qu'une seule arme, le couteau. Et que de vos adversaires. Mais le joueur va perdre un duel online face à un autre français. Et c'est là que le drame arrive. Les faits vont se produire durant 6 mois, notamment de mai à novembre 2009, puisque ce fameux Julien va tout faire pour tenter de retrouver celui qu'il a défoncé online, afin de lui faire payer en vrai. Et le pire, c'est qu'il va le retrouver. Effet horrible, lorsque le joueur va ouvrir la porte, il va l'attaquer sauvagement au couteau, le poignardant ainsi au visage et ne ratant la carotide que de quelques centimètres. Comme vous pouvez le constater, il en est témoin une. L'histoire va être ainsi racontée par l'Observateur et reprise par le Telegraph. Le jeune homme de 20 ans va être ainsi condamné par le tribunal de grande instance de Cambrai à 25 mois de prison ferme et 6 mois de prison avec sursis, pour du coup avoir poignardé dans la vraie vie ce joueur de Counter-Strike. Il va également, et puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avoir 2 ans d'hôpital psychiatrique obligatoire. Et quand même, lorsqu'il a été attrapé par les policiers, il continue, il était en rogne, dans une colère noire, en expliquant « Je veux le voir raide à terre, je vais le tuer !» Le juge, hein, lors de l'audition, va expliquer « Vous êtes un danger public, j'ai peur de la réaction disproportionnée que vous aurez la prochaine fois qu'une personne aura le malheur de vous jeter un regard !» Et franchement, ça se comprend. Encore une fois, le problème n'étant pas là, le jeu vidéo, mais l'obstination, et quelque part, la fascination à tuer de la personne qu'il y avait en face. Heureusement, malgré cette tragédie, la victime est encore en vie, mais dans tous les cas, c'est d'une extrême gravité. Toujours en 2009, pour ce troisième scandale, cette histoire, terrible également, vous allez le voir, qui elle montre à quel point certaines personnes peuvent être violentes lorsque les choses ne vont pas dans leur sens, mais aussi également les violences envers les femmes. Nous sommes le 4 février 2009, et la police va arrêter un certain Isaac Benjamin Pettinger, 21 ans, qui vient des Moines aux États-Unis pour violences domestiques avec blessures, séquestration et obstruction aux communications d'urgence. La police va déclarer que tout commence avec un jeu vidéo. On ne sait pas trop, mais on soupçonne que c'est GTA. Et selon le rapport de police officielle, il va tout simplement battre sa petite amie de l'époque, Lacey Proctor, 20 ans au moment des faits. Elle est agressée alors le lundi même, et c'est elle qui va appeler la police, en expliquant qu'à la base, ils avaient vécu ensemble, ils étaient en couple, tout allait bien, jusqu'à ce qu'elle déménage environ un mois au moment des faits. Et ce soir-là était celui de trop. Ils continuaient à se côtoyer, et Proctor va inviter du coup le fameux Pettinger à passer la nuit chez elle. Ils voulaient passer un petit peu de temps ensemble, mais apparemment, il y avait déjà eu des problématiques autour du jeu vidéo et les réactions excessives du conjoint. C'est là que tout se gâte, car Pettinger était déjà frustré parce que sa petite amie voulait qu'il arrête de jouer aux jeux vidéo, parce qu'il devenait complètement dingue. Le drame arrive alors, montrant les soucis mentaux du jeune homme. Proctor aura le malheur de passer devant l'écran de Pettinger, lui bloquant ainsi la vue de l'écran. Et c'est à ce moment-là que le personnage, le héros en question, se met à mourir, in-game. Face à cela, Pettinger rentre dans une colère noire. Il n'a pas supporté la présence son ex-conjointe devant l'écran. Il va alors décider de la poursuivre, la pousser sur une chaise, la chevaucher, l'empêchant ainsi de se lever en la frappant sur le côté de la tête avec un poing fermé. La victime va alors se mettre à crier pour qu'il arrête, mais cela ne sera pas le cas. Elle va tout de même finir par réussir à s'échapper en courant vers la salle de bain, en chopant le téléphone, mais Pettinger va la suivre et l'attaquer de nouveau. Et cette fois-ci, c'est horrible, lui attraper la tête et lui frapper contre un mur. Lorsqu'elle a essayé de s'enfuir, Pettinger la menace et lui dira « Tu vas nulle part ». Proctor arrivera heureusement dans sa fugue à composer le 911, donc la police, et à leur expliquer les faits. La problématique, c'est qu'au moment de l'appel, juste avant qu'elle ne puisse terminer, il va débrancher le téléphone. Vous imaginez le délire. La jeune femme va alors porter plainte et exiger que Pettinger ne s'approche plus d'elle. Tu m'étonnes. Heureusement, une nouvelle fois, la police va intervenir à temps, avant que le drame n'arrive. Mais c'est vous dire que le jeu vidéo a quand même permis de montrer l'homme violent qu'il était. Et à coup sûr, ce n'est pas le JV qui est impliqué, qui est la cause de ces problèmes-là. Et ça, c'est tout le temps le cas. Et c'est pour ça que Jack Thompson, et je faisais le parallèle, disait de grosses, grosses conneries lorsqu'il voulait attaquer continuellement le jeu vidéo. Le seul truc que je me demande par contre, c'est pourquoi sa petite amie l'avait invité et lui avait autorisé à commencer une partie, sachant que c'était le problème. Franchement, là, voilà, j'ai du mal à... Est-ce qu'il avait soudoyé? Est-ce qu'il avait supplié? Je ne sais pas, mais c'est assez bizarre.
Bon, un peu de légèreté quand même, hein, parce qu'on parle ici de gamers complètement fous, et souvent ça partait sur des tentatives ou même des meurtres. Avec ce quatrième fait qui là, franchement, m'a bien fait marrer, on va l'appeler l'homme grenouille, et vous allez très vite comprendre. Alors pourtant, franchement, ça aurait pu être grave, mais qu'est-ce que c'est con? Nous sommes le 27 décembre 2010, au moment des faits. Et nous avons la police de Clemson qui va déclarer qu'un accident s'est produit avec un homme de 23 ans qui va être heurté par un SUV. Un 4x4. Ouais, ça doit faire très très mal par ailleurs. Les équipes d'urgence vont alors appeler à l'intersection de la route 123 et de l'avenue College. Vers 21h le lundi au moment des faits. Nous sommes en Caroline du Sud et le jeune homme était en train de slalomer entre les voitures. Ouais, voilà, il était en plein milieu de la route comme ça, il se faisait un kiff. C'est con, c'est sûr, mais pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Telle est la question. Eh bien parce qu'il s'est pris pour une grenouille. Et pas n'importe laquelle s'il vous plaît, une grenouille légendaire du jeu vidéo. Un certain Frogger. Et ouais, et c'est même ses amis qui vont expliquer le pourquoi du comment. Il voulait jouer à Frogger pour de vrai. Et Frogger, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu d'arcade développé par Konami, qui sort en 1980 à l'époque, où l'objectif est de diriger des grenouilles jusqu'à leur maison, et vous devez ainsi éviter les bagnoles, hein. Traverser, elles roulent à différentes vitesses, vous avez des rivières avec des courants, vous passez d'objet à objet, mais voilà, il s'est tout simplement inspiré de son jeu favori, et a voulu appliquer la chose dans la vie réelle. D'ailleurs, la grenouille crève si elle touche une voiture. Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille quand même, hein, je pense. Ainsi, je suis certain que vous faites directement le lien. Mais heureusement, une nouvelle fois, plus de peur que de mal, puisque l'homme grenouille a survécu. Et malgré le fait qu'il était percuté, il était trouvé dans un état stable, aujourd'hui vivant. Évidemment, aucune charge ne sera prévue hein, contre le conducteur, vous en doutez bien. Et son nom n'a jamais été divulgué. Dans tous les cas, hein, et c'est pareil, ce genre de personnes peuvent être extrêmement dangereuses pour la société. La preuve, ça aurait pu être aussi le conducteur voilà, qui tourne comme ça et qui crève. C'est chaud, très très chaud. Mais bon, voilà, c'était l'histoire de l'homme Frogger. Bon, je vais passer également hein, sur un homme qui voulait épouser son ordinateur, qu'il avait envie en fait de pas se faire chier. C'est un certain Marc-Chris Sévier, hein, le plaignant, qui expliquait pourquoi on peut se marier bah, de toutes les façons, et que ça avait exactement la même légitimité. Le mariage pour un couple de même sexe que celui avec des objets dont on est amoureux. C'est l'exemple qu'il a pris, hein, voilà. Et Sévier, le gars, il est diplômé de l'école de Troyes, et il va intenter des procès un petit peu partout dans les états pour faire, eh bien, accepter le truc. Mais il n'y arrivera jamais. Enfin, c'était pour la petite parenthèse. Par contre, pour terminer ce cinquième fait, et on en revient justement au tout premier qu'on a vu dans la vidéo, eh bien le JV pour certains demande une implication telle qu'ils vont en oublier leurs priorités. Et ici, on a un père de famille qui va laisser à l'abandon ses deux enfants. Au calme. En effet, la police d'Indianapolis va arrêter ce père de deux enfants, qui a 31 ans, après avoir trouvé, hein, du coup, les deux gamins, un qui était nu, l'autre en couche, errant dans les rues alors qu'il était en train de jouer à un jeu sur PC. Son nom, Timothy Ozaman. Alors les enfants, ils ont été découverts errant dans le complexe d'appartements dans lequel ils vivaient près d'une route très fréquentée d'un samedi soir. Ils auraient pu se faire écraser à tout moment au calme. Et c'est le voisin qui va les retrouver, qui va garder un œil sur eux pendant 20 minutes avant d'appeler les flics et de se demander ce qui se passe. D'ailleurs, lorsque les policiers vont arriver à l'appartement d'Ozaman, ils vont trouver la porte ouverte au calme. Ni vu ni connu, le mec a complètement oublié ce qui se passait. Personne va alors répondre à la porte et ils vont bah, l'ouvrir et trouver le père sur son ordinateur. Et il joue à quoi, vous allez me dire? À Atlantis. Le mec était trop dedans. Il va ainsi expliquer qu'il a laissé ses deux enfants en bas âge, en bas, en train de jouer tranquillement pendant que lui s'adonnait à sa partie de jeu. Il va même avouer qu'il était tellement dedans qu'il ne les avait pas vus quitter l'appartement. On laisse pas un petit enfant comme ça, voilà, c'est n'importe quoi. Imagine, il y avait une piscine ou quoi, par exemple, c'est un truc de ouf, vous auriez pu se faire kidnapper, enfin, c'est inconcevable, c'est... L'ordre des priorités, c'est du nimp. D'ailleurs, lors de son arrestation, Ozaman va déclarer la chose suivante. Je ne suis manifestement pas très doué pour surveiller des enfants. Non, vraiment. Hein, tu crois? En tout cas, je te confierai pas les miens, hein. J'en ai pas encore. Mais tu n'es pas la nounou idéale, ça c'est certain. Et alors, vous allez me dire, quid de sa femme? Eh bien, le pire, c'est qu'elle était en voyage d'affaires pendant l'incident. Nul doute qu'elle n'a pas dû trop apprécier. Enfin, voilà. Ces histoires, quand même, c'est un truc de fou. Et cette vidéo se termine ici. Ce sont, attention, des faits réels hein, que je vous ai relatés là, c'était très important. Et j'espère, et je sais que vous aimez bien ce type de format sur la chaîne, que cela vous aura plu. N'oubliez pas, comme toujours, que vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, voilà, ça coûte rien. Et vous pouvez ainsi toujours suivre ce qui se passe, malgré l'absence, le manque de notifications qu'il y a en ce moment. Lors du dernier sondage dans la communauté, vous étiez près de 10 000 votants, et c'est chaud, 60% n'auraient pas reçu la dernière notification de l'enquête. Voilà, c'est triste au vu du travail effectué, mais bon, c'est un régal pour moi de vous proposer toujours ces sujets, ces vidéos, et j'aimerais vous parler de ces faits réels qui se sont produits.
peut être très grave. Comme à chaque fois, vous avez également tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, où je vous attends avec immense plaisir. Il y a un petit peu ma vie en ce moment, un peu les vacances et tout, voilà, où je fais une petite vidéo comme ça, parce que j'adore mon métier, partager ça avec vous, c'est juste génial sur le jeu vidéo. Merci justement du fond du cœur, car c'est grâce à vous que tout ça est possible, que je peux prendre par exemple un monteur qui peut m'aider sur la vidéo d'enquête qui était juste extraordinaire, qui est une de mes préférées de la chaîne. Je vous invite à la voir, si c'est pas le cas, je vous le mets à la fin là dans les petites fiches. En tout cas, comme toujours, c'était Conquerax au rapport, et avant même de jouer, continuons à découvrir des secrets, des anecdotes, des choses qui sont liées aux jeux vidéo, parce que c'est extrêmement intéressant. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, parce qu'en ce moment, c'est assez chaud, tout ça repart, ces conneries. Donc voilà, faites très très gaffe, protégez-vous. Bisous à tous, ciao ciao.